à la parole, bevor wir das Wort empfangen, et à la communion, j'aimerais que vous vous mettez sur les pieds möchte ich, dass ihr einmal aufsteht, et invoquez d'une manière folle le Saint-Esprit. Und dass wir jetzt für den Heiligen Geist beten. Invoquez-le, invitez-le. Das heißt, ladet alle gemeinsam den Heiligen Geist. Parce qu'on ne soit que le moment où la présence véritable du Dieu véritable sera notée. Et que aucune autre présence n'ait accès en ces lieux. Je me tiens dans le nom de Jésus comme étant le serviteur de l'Éternel dans la maison de l'Éternel, dans toute son autorité et son droit. Je commande à tout esprit qui sort de notre royaume de fléchir les genoux maintenant. Au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur de se prosterner en ces lieux. Donc quiconque que ce soit, quiconque soit captif, dès 2011 janvier jusqu'à en ce moment, à 23h30, 30 minutes avant la nouvelle année, je t'ordonne de libérer maintenant ton captif et de te mettre en genoux. Au nom de Jésus. Cette prière est une prière ciblée. Voilà pourquoi tu n'auras pas honte devant ton Dieu d'ouvrir ton cœur. Qui est là pour la traduction? D'ouvrir ton cœur. Tu vas ouvrir ton cœur et tu n'auras pas honte devant ton Dieu. Du wirst dein Herz öffnen und nicht, dich nicht vor Gott schämen. N'aie pas honte devant Dieu d'exposer l'esprit de ta misère et de tes souffrances. Schäme dich nicht vor Gott, den Geist deines Leidens und deines Elends zu zeigen. Dans 30 minutes, tu vas rentrer dans une nouvelle année. In 30 Minuten wirst du in ein neues Jahr eingehen. Et le plan de Dieu, c'est que tu sois libre de ton Pharaon. Und der Amen. Plan Gottes ist, dass du dich befreit, dass du dich et de ton maître d'esclavage. Von der Sklaverei und von deinem Pharao. Tu ne seras plus esclave. Du wirst kein Sklave mehr sein. De l'oppresseur. Vom Druck. Parce que l'Éternel, ton Dieu, a entendu le cri de ta misère et il est descendu pour venir à ton secours. Denn der Herr hat die Schreie deines Leibes gehört und er ist gekommen, um dich zu retten. Il a entendu ta voix. Er hat deine Stimme gehört. Il a entendu tes cris de détresse. Er hat deine Schreie der Verzweiflung gehört. Il a vu tes souffrances. Er hat dein Leiden gesehen. Et il est concerné. Und er kümmert sich. N'aie pas honte de te tenir devant ton Dieu. Schäme dich nicht, vor dein Gott zu stehen. Ouvre ton cœur. Öffne dein Herz. Je vais tirer cet esprit et l'exposer. Ich möchte diesen Geist hinausziehen und ihn bloßstellen. Il nous a donné le droit de le détruire. Er hat uns das Recht gegeben, ihn zu zerstören. Au nom de Jésus. In Jesu Namen. Tout esprit alle Geister, qui viole le droit de l'enfant de Dieu dans cette maison, die das Recht eines Kindes Gottes missbrauchen, je t'ordonne de te manifester dans ta cachette. Ich ordne dich an, dass du verschwindest. Au nom de Jésus, in Jesu Namen, je libère la puissance de son sang qui a établi l'alliance de ta destruction. Ich eröffne das Blut Jesu, das deine Errettung war. Et maintenant dans le nom de Jésus. Und jetzt im Namen Jesu. J'implore le pardon de l'Éternel pour le péché de son peuple. Bitte ich um die Vergebung der Kinder Gottes für ihre Sünden. Que Dieu pardonne le péché de quiconque ce soit dans ces lieux. Möge Gott die Sünden derjenigen verzeihen, die sich hier befinden. Toute accusation. Alle Beschuldigungen. Par lesquelles. Durch die Satan s'est rendu maître de ta vie. Satan sich als mächtiger oder als Leiter deines Lebens herausgestellt hat. Im Namen Jesu. Par le pardon qui nous a été accordé à la croix. Durch
die Vergebung, die uns erteilt wurde. Lösche ich diese Verschuldung. Jetzt im Jesu Namen. Möge dein Leiden von deinen Schultern fallen. Möge die Last deines Elends von deinen Schultern fallen. Schwinde in Jesu Namen. Jesu Namen. J'ordonne tout esprit démoniaque de se rassembler là, ici, au milieu de ce vide. Ich ordne allen Mächten des Teufels, sich jetzt hier zu versammeln, an einem Ort. Au nom de Jésus. In Jesu Namen. Que tout genou dans le royaume des ténèbres fléchisse. Und möge alles, was vom Teufel kommt, sich beugen vor dem Herrn. Et qu'il confesse Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père comme étant Seigneur. Und mögen alle den Herrn Jesus Christus als den einzigen Herrn und Erretter sehen. Au nom de Jésus. In Jesu Namen. Tu ne retourneras pas comme étant venu ici. Ich werde zurückkommen, wie du hergekommen bist. Je proclame ta libération. Ich proklamiere deine Befreiung. Par la puissance du Saint-Esprit. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dans le nom puissant du seul Seigneur et Dieu Jésus. Im Namen des einzigen Herrn Jesus. Tu es libéré. Du bist befreit. Tu es guéri de ta maladie. Le fardeau de tes souffrances sont brisés. Die Last deines Leidens sind zerstört. Tu es libre. Du bist frei. Les chaînes de ta servitude tombent. Die Ketten deiner Versklavung sind zerstört. Au nom de Jésus. In Jesu Namen. L'obstacle de ta limitation est brisé. Die deiner Grenzen ist zerstört. Tu franchis la barre. Du wirst über diese Grenze hinausgehen. Et tu vas entrer dans ta promesse. Und du wirst in deine Berufung hineingehen. Au nom de Jésus. In Jesu Namen. Satan. Tu sais. Du weißt. Que le droit et l'autorité nous a été donné. Dass uns das Recht und die Autorität gegeben wurde. Écraser ta tête. Deinen Kopf zu zerstören. Détruire ta vie. Und deine Werke zu zertreten. Maintenant. Jetzt. Sors de ce lieu. Verschwinde von diesem Ort. Et disparaît. Und verschwinde de Jésus. In Jesu Namen. Saint-Esprit de Dieu. Heiliger Geist Gottes. Descends à ta gloire sur ton peuple. Komm in deine Herrlichkeit zu deinem Volk. Et viens bénir ce moment. Komm und segne diesen Moment. Pour la gloire de ton seul et unique Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Für die Herrlichkeit deines einzigen Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn und Erretter. Oh, Halleluja! Je veux que tu lèves la voix, que tu remercies ton Dieu. Je veux que tu acclames ton Dieu là où est-ce que tu es. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Nous te louons et nous te exaltons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible avec moi. I'm very sorry for my brethren that speak English, please. Es tut mir leid für meine Brüder, die Englisch sprechen. So we are two churches joined together. Wir sind heute zwei Gemeinden zusammen an einem Ort. And for the benefit of those who do not speak French, because they are majority. Und einfach zum Vorteil derer, die Französisch sprechen, sprechen die heute auch Französisch, weil sie die Mehrheit ausmachen. Just heute. Allow me today. Also erlaubt mir heute bitte. To conduct the service in French. Den Dienst heute auf Französisch zu halten. Thank you very much. Danke. So we're gonna translate it into Dutch, and I believe that is gonna help you. Und wir werden es auf Deutsch übersetzen, und ich glaube, dass es euch auch helfen wird. Just be in the Spirit. Seid einfach im Geist. For the Spirit of the Lord is among us. Denn der Geist Gottes ist mitten unter uns. Halleluja. Amen. Can you have your seat in Jesus' name? Ihr könnt euch gerne setzen. Je vous en prie de vous asseoir dans le nom de Jésus. Alléluia. Et est-ce que tu peux prendre ta Bible avec moi? Kannst du deine Bibel mit mir nehmen? Et tu vas ouvrir dans Deutéronome chapitre 6. Und du wirst in Deuteronomium Kapitel 6 einmal öffnen. Nous allons aller un peu vite. Wir werden ein bisschen schnell machen. Parce que minuit est à côté. Denn 24 Uhr ist bald erreicht. Okay. Minuit est à côté. Gleich ist Mitternacht. Et nous allons entrer dans une nouvelle année.
Und wir werden in ein neues Jahr kommen. Et dans la nouvelle année où nous allons rentrer, und in das neue Jahr, in das wir hineingehen, tu dois reconnaître les promesses de Dieu pour toi. Musst du die Versprechen Gottes für dich erkennen. Et tu vas établir une alliance avec ton Dieu. Und du wirst einen Bund schließen mit deinem Gott. Pour demeurer dans cette promesse durant le cours de l'année 2012. Damit du in diesem Versprechen bleibst für das ganze Jahr 2012. Cette nuit, diese Nacht, sera un renversement de situation. Wird eine Umwälzung der Situation sein. Tu vas transformer la situation de ta vie. Du wirst die Situation deines Lebens verändern. Le pouvoir est dans ta bouche. Die Macht liegt in deinem Mund. Tu as la parole de Dieu. Du hast das Wort Gottes. C'est pas ta parole. Das ist nicht dein Wort. C'est la parole de Dieu. Das ist das Wort Gottes. Et c'est une parole qui est vivante. Und das ist ein Wort, das lebt. Elle change la vie. Und Leben verändert. Elle apporte la vie là où il n'y a point de vie. Und dort Leben bringt, wo es keins gibt. C'est une parole qui a plus que la puissance de faire ce que tu n'as jamais pensé ni imaginé. Das ist ein Wort, das in der Lage ist, Dinge zu tun, die du nie gedacht oder die nie hättest vorstellen können. C'est une parole de miracle. Das ist ein Wort des Wunders. Tu ne peux pas expliquer d'une façon théorique ce que la parole de Dieu peut faire. Du kannst nicht auf theoretische Weise erklären, was dieses Wort tun kann. Voilà pourquoi les scientifiques ne peuvent pas comprendre. Deswegen können die Wissenschaftler das nicht verstehen. C'est pour ça que les philosophes ne peuvent pas comprendre. Deswegen können die Philosophen das nicht verstehen. Parce qu'ils peuvent prouver théoriquement ce qu'ils font. Denn sie können theoretisch auf jeden Fall beweisen, was sie tun. Mais Dieu, aber Gott n'a pas besoin de théorie. Braucht keine Theorie. Parce que lui appelle à l'existence les choses qui ne sont point. Denn er ruft in Existenz Dinge, die es gar nicht gibt. Il n'a pas besoin de quelque chose pour commencer. Er braucht nicht eine Sache, um zu beginnen. Ça parle, sein Wort reicht aus.